Et bah alors, ils sont où tous les petits rageux, tous les mecs qui m'ont dislike, tous les mecs qui m'ont insulté, parce que ça c'est des commentaires que vous avez pas vus, mais je me suis fait insulter. Ils sont où tous ces mecs-là aujourd'hui, dis donc? Il y a quelques mois, pour remettre dans le contexte, j'ai fait une vidéo, plusieurs mois avant la sortie du PSVR, où je donnais mon avis par rapport à ce qui était annoncé, donc beaucoup de vent, et où, voilà, je disais clairement que mettre plus de 400 euros là-dedans, parce qu'il fallait compter la caméra et ceux qui ont acheté les Move aussi, donc mettre plus de 400 euros là-dedans avec le peu de trucs qui étaient annoncés et surtout beaucoup d'incertitudes, c'était pas vraiment une bonne idée et qu'il fallait arrêter de se jeter sur tous les trucs quand ça sort comme des pigeons. Et j'ai argumenté, voilà, par rapport à ce qui avait été annoncé, par rapport à toutes les incertitudes qu'on avait, parce que très clairement, personne n'aurait pu me dire à ce moment-là qu'il y aurait, il y aurait vraiment des gros jeux et tout qui sortiraient dessus et tout. Et malgré ça, j'ai eu la vague de rageux. Sûrement les pigeons en question qui achètent tout, qui achètent un iPhone tous les ans, et ou même un Galaxy maintenant tous les ans, parce qu'un marketeur leur dit que c'est bien. Et du coup, j'ai eu toute cette vague de pigeux, de pigeux, oui, de pigeux, de pigeons rageux, de pigeux, tiens, c'est très bien, qui est venu me dislike, beaucoup en plus sans laisser un commentaire pour dire ce qu'ils pensaient ou quoi, j'aurais préféré. J'ai eu quelques insultes, alors ça, je les ai pas mis, je laisse les critiques et tout, vous pouvez regarder les commentaires, mais par contre, les commentaires où t'as juste des insultes et y a rien d'écrit, ça veut rien dire, je les laisse pas. Et du coup, bon, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu deux, trois. Et c'est tout ce que j'ai eu en fait, voilà. Et il y a même un mec qui me dit, qui a attendu plusieurs mois après la sortie de ma vidéo, qui a attendu genre une semaine avant la sortie du truc, qui a eu d'autres annonces, pour me sortir, ouais, ta vidéo, tu te bases que sur des rumeurs et des dires, depuis, il va sortir là, et on sait que ça vaut le coup, machin. Sauf qu'il n'était pas sorti encore, donc je lui ai demandé gentiment, j'ai dit, écoute mon grand, si moi je me base que sur des rumeurs et des dires, vu qu'il n'est pas encore sorti, sur quoi tu te bases toi pour me dire que ça vaut le coup? Ben j'ai jamais eu de réponse, parce que voilà, le mec il a aucun argument, et lui-même il s'est basé sur des annonces et des trucs qui ont été dit éventuellement par des développeurs qui peut-être feraient, et on voit le résultat plusieurs mois après la sortie. Ils ont rien fait du tout, les mecs, ils ont rien fait. Et pour les annonces que je vous ai mis au début de la vidéo pour troller un peu et faire rager un peu, parce que j'aime bien ça. Au final, j'aime bien faire rager les gens. Surtout quand j'ai raison, parce que très clairement, vous imaginez pas comme je jubile à l'heure actuelle de voir qu'il n'y a plus aucune vidéo sur YouTube. Enfin, il y en a quand même beaucoup moins, parce qu'il n'y a rien à montrer dessus, donc il n'y a pas de vidéo, évidemment. Et là, j'ai fait que les annonces Haute-Normandie. Je me suis vraiment cantonné à la Haute-Normandie. Et je les ai pas toutes mises hein, dans l'intro. Il y en avait d'autres. Hein. Il y en avait deux ou trois autres. J'en ai vu dans les caches aussi. J'ai pas pris de photos, j'aurais pu. Et j'ai pas regardé Île-de-France. J'ai pas regardé Basse-Normandie. J'ai pas fait toute la France. Je me suis vraiment cantonné à Haute-Normandie pour prendre les annonces de l'intro. Donc, ça, c'est certainement. Ça fait partie des gens qui m'ont disliké ou qui m'auraient disliké et insulté s'ils avaient vu la vidéo à ce moment-là. Et qui aujourd'hui revendent, bah, parce qu'il n'y a rien dessus et ils ont claqué 500 balles pour rien. Et il y a un youtubeur que j'aime bien, on est devenu plus ou moins potes d'ailleurs, qui est Dark Alex, qui lui-même l'a acheté, s'est jeté dessus à la sortie. Et aujourd'hui, il l'a dit dans sa vidéo de Gran Turismo Sport en parlant du mode VR qu'il y aurait dans Gran Turismo Sport. Et il disait, je pense que je l'aurais vendu d'ici là parce qu'il n'y a rien qui sort dessus. C'est exactement ce que j'ai dit dans cette vidéo quelques mois avant la sortie. Ne vous jetez pas comme des cons là-dessus à la sortie. Il y a beaucoup trop d'incertitudes pour payer 400 euros un truc comme ça. Il y a beaucoup trop d'incertitudes. Je sais pas, c'est un truc qui aurait coûté 100 euros. À la limite, je dis pas. Mais là, c'était 400 balles, plus la caméra pour ceux qui ne l'avaient pas, plus les mofs pour ceux qui les voulaient. Ça faisait un truc à plus de 500 euros. Et il y en a, ils se jettent dessus comme ça, alors qu'il n'y avait aucune certitude sur des sorties et sur ce qui serait fait avec.
Et donc, bah voilà, moi, tout ce que j'ai fait dans cette vidéo, c'était simplement de dire, les gars, vous jetez pas comme ça là-dessus, parce qu'il n'y a aucune certitude, il n'y a rien d'annoncé vraiment officiellement, à part 2-3 bricoles. Et si c'est pour jouer à des démos techniques ou des rail shooters de merde, ça n'a aucun intérêt de payer aussi cher. Le résultat, il est que quelques mois après la sortie, j'en entends plus parler sur YouTube. J'en vois plein à vendre dans les caches. Et encore, je ne m'amuse pas à aller faire les caches pour voir. Hein. Je suis passé la dernière fois dans un qui est chez moi et j'en ai vu un à vendre. Je vais sur le bon coin, je regarde seulement Haute-Normandie, déjà je trouve 5 ou 6 annonces. Et je crois que dans les Micromania chez moi, il doit y en avoir aussi d'occasion. Donc voilà, on est quelques mois après la sortie et ce que j'avais annoncé quelques mois avant est en train de se produire. Les mecs qui ont ragé, qui m'ont disliké et qui m'ont eux-mêmes traité de rageux alors que moi je fais que relater des faits, bah aujourd'hui, bon, ils viendront pas dans les commentaires dire que j'ai raison, évidemment, ils vont se cacher ou alors ils vont refaire la même chose, disliker et m'insulter en me disant que je raconte de la merde, évidemment. Mais ils viendront pas admettre que j'avais raison et qu'ils se sont fait baiser. Mais le fait est que j'avais raison et ils se sont fait baiser la gueule.